C'est parti pour la peinture. Tu vois, on a juste mis les stickers là. Maintenant, la bombe que j'avais mis sur le radiateur qui est bien chaude. Là, il fait pas trop froid. C'est une bonne journée pour faire la peinture, vu que moi, je peins en extérieur. Je passe un petit coup de sèche-cheveux partout sur la carrosserie. Du coup, elle est pas froide non plus. Et puis, bah, let's go. Là, on est bon sur la première couche. On va laisser un petit peu sécher comme ça. C'est encore bien transparent, tu vois, mais c'est bien rouge et uniforme partout. Donc je vais la remettre au chaud et on se retrouve après deuxième couche. Ok, c'est parti pour la deuxième couche. Voilà, on n'insiste toujours pas trop, on reste uniforme partout, pas de coulure, je vais vite la remettre au chaud. Bon, j'ai mis 5 couches de rouge, donc en gros j'ai quasiment vidé la bombe, sauf que je me suis dit tiens je vais lui mettre des petites paillettes, ok, et du coup au bout de la troisième couche j'ai mis du PS15, c'est à dire du rouge métallisé. On va voir ce que ça donne, ça peut donner un petit style. Le problème c'est que je voulais pas la baquer, je voulais pas mettre de ni de blanc ni de noir à l'intérieur. Je voulais la laisser vraiment en rouge vif. Je voulais pas mettre de blanc, je voulais pas la baquer en gros. Et je m'aperçois que le rouge il est vraiment transparent, parce que là j'ai quand même mis 5 couches et on voit encore à travers. Je vais finir la bombe.
encore. Allez, on arrête. C'est lui, c'est vide. C'est bon, c'est plus transparent là. Je vois plus rien à travers. Alors, il me reste un petit peu de smoke, c'est-à-dire pour teinter les vitres. Donc je vais peut-être, vu qu'on est en version un petit peu street, un petit peu tuning, je vais peut-être teinter les vitres arrière. Bon, je vais voir ça. Bon. J'ai enlevé le cache des vitres à l'arrière et sur les côtés. J'ai juste laissé le pare-brise. Et je vais mettre un petit peu de PS31. Mais ma bombe, elle est quasiment vide. On va voir ça. On va essayer de faire ça propre. Ça, c'est assez compliqué à faire. Parce qu'en gros, quand tu le mets, tu ne te rends pas compte de ce que tu mets. T'as l'impression qu'il se passe rien, et en fait si, ça teinte un petit peu. En plus ça a vite tendance à couler. On va le refaire. Voilà. Je vais juste faire comme ça, je vais pas faire plus, histoire de teinter légèrement les vitres. Ouais, là ça va le faire. En gros, tu as l'impression que c'est pas teinté, mais quand tu vas la poser avec quelque chose en dessous, tu vas voir que oui, c'est teinté. Voilà, j'insiste pas plus. Prochaine étape, on enlève le film. La meilleure partie, on enlève le film parce que là tu vas voir que le rouge il sera pas tout à fait pareil. On enlève le film et après je pose les stickers. Et oui. Vitre avant non teinté, vitre arrière, on voit la différence, c'est beaucoup plus noir. Et là, ça fait tuning. Alors, maintenant, le meilleur moment, c'est enlever ce film. Hop! On a trouvé le bout. Et ouais, ça va être beau. C'est bien rouge et il y a des légères paillettes légèrement métallisées comme je voulais. Ça se voit pas trop. C'est bien rouge vif. Il y a des légèrement métallisées, mais c'est vraiment minime, minime. On les voit que au soleil. Waouh. Est-ce que tu vois un peu? Je vais te montrer là qu'il y a vraiment le soleil. Là, je vais essayer de te montrer ça.
Là. Là. Je sais pas si vous voyez. Il est beau ce rouge, hein. Il est exactement comme je voulais. Voilà. Bon. Eh ben, il n'y aura plus qu'à lui coller les stickers et ça sera bon.